Bonjour à vous tous, à toutes. Moi, je suis Franco. Je vais commencer cette session de corps médical exec, les états absents, organisés par Translactra. Tout d'abord, nous allons vous montrer la guide que nous avons créée. Ce sont les recommandations sur les soins de santé intégrée pour les femmes transgenres en Amérique latine, à plusieurs pays. 2016 à 2019, c'était la période comprise. Et nous incluons également les Caraïbes. Nous allons avoir Marcela Romero, Vicky Acosta, référent national, titulaire au Paraguay pour le réseau Lactrans, Venus Tejada, Alejandra Soto, qui est titulaire au Chili de Red Lactrans, Raisa Torriani, de titulaire de réseau Lactrans en Bolivie, et Miluska Lusquinos, titulaire de Red Lactrans au Pérou. Donc d'abord, on va entendre Vicky Acosta. Elle va nous parler du travail qu'elle a fait et puis le... Oui, bonjour à vous tous. Je vais vous parler sur cette guide qui a été conçue et écrit par des femmes trans, étant qu'un outil pour permettre les accès de santé. Ainsi, pour tous ceux qui travaillent dans les services de santé, et ils vont trouver dans cette guide pratique toutes les informations requises et afin de pouvoir traiter notre santé d'une façon respectueuse vis-à-vis des droits humains. Cette guide peut être utilisé pour toutes les femmes trans, étant qu'un outil d'automatisation. On l'a fait un moyen de faire de plaidoyer politique, de satisfaire nos besoins. Les personnes trans travaillant dans le service de santé ont beaucoup de pouvoir sur nos corps et nos vies. C'est pourquoi nous pensons que nous devrons devenir des alliés dans cette tâche si urgente pour permettre l'accès et professionnaliser les services de santé. Pour nous, la façon dont nous nous présentons notre identité importe. Nos décisions doivent être respectées. Et le traitement est afin qu'on puisse revenir dans les centres de santé dépend de cet respect qu'on puisse y trouver. Ces guides vont nous permettre de travailler ensemble avec les femmes trans de l'Amérique latine et Caraïbes, avec les professionnels de la santé, leur montrant comment nous accompagner convenablement pour nous procurer les soins et les traitements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicky. Maintenant, je vais donner la parole à Venus Tejada, qui va nous parler de pourquoi et le besoin d'avoir un outil de ce genre. Dans cette guide, nous avons conçu, parce que nous avons un besoin étant que femmes trans et hommes trans de notre région. Il est incroyable, car avec cette guide, nous avons pu réduire, minimiser et en même temps rendre visibles les besoins qu'avait cette population trans, avoir une guide au centre de services de santé. Lorsqu'on a commencé à distribuer ce guide dans les services de santé, il y a eu des changements positifs acquis, car le système de santé était une méthode carrée. Le personnel de service de santé nous traitait comme si on était. Et ils prenaient que le nom qui apparaissait sur notre pièce d'identité
nous ne demandez pas comment voudriez-vous qu'on vous appelle. Avec ce guide, nous avons pu réduire la discrimination un tout petit peu, car il existe encore des personnes qui n'ont pas encore ceci ou n'ont pas encore accepté ces changements, car nous venons des cultures apprises. Donc, nous, pour nous, c'est important d'avoir cette guide. Non seulement en Amérique latine et du Caraïbe, mais aussi au niveau mondial. Nous pouvons continuer à faire du chemin avec des guides de ce genre pour remplir ces besoins, parce que ça parle aussi de l'hormonisation, pourquoi il était important d'aller au service de santé pour avoir des meilleurs niveaux hormonaux. Et il parle de l'estile de vie, d'une santé intégrée. La population trans souffre également de différentes maladies. Ils peuvent y attendre, non seulement comme dans le passé, on ne parlait que du VIH, on peut être atteint d'un cancer, et on peut être atteint des maladies de la peau, d'eczéma. Donc, comment s'y prendre pour nous inclure dans son service de santé sans avoir des discriminations et de la violence envers nous et rendre les choses un peu plus amicales? Souvent, on trouve que beaucoup de personnes l'ont lu. Ou lorsqu'on distribue cette guide de façon massive et on commence à parler de ce qu'ils vont trouver dans ce guide, beaucoup de choses, beaucoup de personnes se sont vues intéressées. Et on a essayé d'avoir un guide de tous les services pour connaître les soins dont les femmes trans ont besoin. Il est très important, et ce sont des progrès qu'on fait au sein de la région, car auparavant, on n'a jamais eu une guide de ce genre. C'est la première guide que nous avons créée, et ça a été créé par le réseau Lantrans, première guide marquée, lancée et distribuée auprès du système de santé, et qu'elle a été accueillie d'une façon positive. Et voilà pour mes premiers mots en ce qui concerne ce guide. Merci beaucoup, Benous, pour tes paroles et ta participation. Maintenant, je souhaiterais qu'on entende Amiluka qui va nous parler des défis et l'objectif de ce guide. Quels sont les défis que nous devons confronter dans la région? Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, on t'entend, Miluska. Bon, le guide de santé marque, ça nous permet d'avoir un point de départ pour que le système de santé puisse reconnaître l'identité des personnes trans dans la région. Alors, les défis, en partant de là, et d'aller plus loin de ce guide, pour avoir un meilleur accès à la santé pour les personnes trans. Ici, au Pérou, on a pu plaidoyer pour la mise en place de la norme technique trans qui permet une thérapie d'hormones pour médicaliser les corps des personnes trans. Étant que des filles, nous savons également inclure la masculinisation dont la thérapie des hormones à la charge de l'État. Il est important, il est très important que nous, car nous pensons que dans notre organisation, ce guide de santé va nous aider à réduire la violence, la stigmatisation, le respect pour les droits humains. Dans ce sens-là, nous nous sommes vraiment engagés à inclure au sein des directives de travail dans le cadre de santé intégrale des personnes trans, la reconnaissance de l'identité de genre ou identité sexuelle, comme on dit en français. Il est essentiel, mais ce service, souvent, il est oublié. Les organisations, les professionnels de la santé qui travaillent avec des personnes trans se sont concentrés dans les incentives
personnes, lorsque des organisations ont mis en place des meilleures pratiques et procuré des services psychologiques également. Nous allons utiliser l'impact dans la vie des personnes trans, le mesurer dans la santé mentale après le confinement et après toute l'épidémie suite au COVID présent dans tous les pays. Un autre défi, c'est continuer à former les professionnels de la santé, car il est essentiel d'avoir un apprentissage et l'autonomisation de la part des personnes trans en ce qui concerne les droits des services, aux droits des services de santé. Ici, il y a des choses tous les jours qui deviennent dans des situations hostiles au sein de services de santé. Et c'est pourquoi il faut continuer à former ce personnel de services de santé qui va s'occuper des personnes trans, afin que les personnes trans soient appelées par leur nom de choix ou avec le nom qu'ils puissent s'identifier. Et c'est tout un défi de mettre en place en Amérique latine tout ce travail que depuis notre réseau, nous avons inclus dans ce guide et pouvoir l'avoir jour pour les personnes trans en Amérique latine. Au Pérou, nous sommes en train de mettre en place la norme technique. Je sais que la situation actuelle est assez difficile pour tous les pays de la région, mais en même temps, on a continué à améliorer les services intégrales de santé. Nous pensons également que le fournisseur ou les prestateurs de services VIH jouent un rôle essentiel au moment de garantir les liens entre les services de santé, les individus avec diagnostic positif et vivant avec VIH. Il faut avoir un traitement pour le VIH qui doit être promu. Des fois, les personnes ne sont pas reliées à services de soins. Il y a des personnes qui doivent attendre pour obtenir le diagnostic. Et avant d'aller dans un service de santé pour être pris en charge, ils font appel à leur famille ou leurs amis, car il y a encore de la stigmatisation. Et c'est ça la cause. Il y a toute une complexité pour avoir accès à la prise en charge de la part des personnes trans. Et voilà, jusque-là. Merci Raïssa pour nous avoir partagé. Non, je suis Milouska. Oh, mes excuses, Milouska. Maintenant, je vais donner la parole à Marcela Romero, coordinatrice régionale du réseau LANC Trans. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à vous tous, toutes, tous. Mes amis de réseau LANTRANS, j'ai eu un petit peu de difficulté pour me connecter, mais me voilà. Je vais vous parler, car j'ai entendu ce que Milouska a évoqué, le thème de l'accès à la santé et aux droits politiques où nos corps sont violés dont les services de santé et il n'y a pas une capacité pour pouvoir prendre en charge une personne trans dans les services de santé. Est-ce que Franco est là? Dites-moi si je suis bien, parce que comme je suis à peine connecté, je ne sais pas si tout se passe bien pour vous. Oui? Il faut qu'on continue avec la présentation de l'élaboration de ce guide
Oui, bon, le guide était très nécessaire pour notre région. Nous sommes depuis des années en souffrant de la stigmatisation des hommes qui avaient sexe homme, des personnes gays ou des personnes homosexuelles. C'est comme ça qu'on était considérés. Donc, à partir du réseau latino-américain, on a commencé à changer ces indicateurs. On a insisté sur le fait qu'il faut que notre identité sexuelle soit respectée et que la politique dans la région, dans les soins de santé, ait une perspective de genre, une perspective sexuelle et tout le respect pour les personnes trans. Ça fait 10 années qu'on travaille dans ce thème dans la région. Dans la plupart des pays, on a quand même réussi à changer le regard en ce qui concerne la médicalisation de nos corps et changer ce regard dans les professionnels de la santé et qu'on ait dans quelques pays, pas dans tous, un accès à la santé intégrale. La guide était donc nécessaire. Elle est essentielle parce que nous qui travaillons au réseau, sans stigmatisation et discrimination. Je parle de tous ceux qui font les femmes trans adultes majeures en Amérique latine et toute femme de 35 ans qui, dans son corps, ont été violentées, soumises à des chirurgies clandestines. Beaucoup parmi nous devons aller dans des hôpitaux comme il n'a pas de solution, il n'a pas de professionnel. Ils commencent à mutiler les parties de nos corps, ils tentent nos sangs, les seins, jusqu'on transforme tous nos corps. La plupart de nos collègues avec de problèmes de poumons, avec des infections pulmonaires, voire décédés à cause des infections si fortes et n'ont pas voir ce qu'il faut pour contrôler ces infections. La seule chose qu'on obtient, ce sont les analgésiques pour réduire la douleur, mais le problème est profond. Ce n'est pas que la douleur, mais c'est toute l'infection qui se propage dans tous nos corps et la plupart arrive aux reins ou aux poumons et nos collègues finissent par souffrir de ce manque d'attention de la part des médecins. Mais semble-t-il qu'avec les services de santé, il faut parler des services humains, il faut former les professionnels des droits humains parce qu'il y a un professionnel qui s'occupe de nous, mais il ne connaît pas les droits des personnes trans. Quels sont les droits des personnes qui ont été vulnérées, des populations à risque? Lorsqu'on va dans les hôpitaux, la première chose, on nous voit comme des personnes vivantes avec VIH. Et ils pensent qu'en nous donnant les rétroviraux, ça suffit et le problème est résolu. Et me semble-t-il qu'il faut aller au-delà des rétroviraux. Il faut parler de la santé mentale, il faut parler de l'estime de soi, l'accès au traitement, de la contention, de l'espace. Et me semble-t-il que tous ces services sont nécessaires dans nos pays. Et dans nos pays, on n'a qu'un médecin qui s'occupe de nous, qui nous fait les analyses. Et puis, on a accès aux rétroviraux pour une durée de 3 mois de traitement. Après cela, il n'y a pas des hôpitaux où on puisse faire une charge virale ou continuer à monitorer notre santé. Et puis, 6 mois après, on revient aux hôpitaux après le traitement, avec des ulcères dans l'estomac, avec des problèmes de foie, avec des chutes de cheveux, beaucoup de problèmes. Et on nous dit, bon, ça, c'est la conséquence du traitement. Mais le médecin, la détérioration de femmes trans vis-à-vis le regard de la société, la discrimination,
et rend cette femme beaucoup plus vulnérable. Souvent, dans les gares des hôpitaux, lorsqu'une femme trans va dans les services de santé, elle arrive avec une détérioration telle, avec des traits masculins, et c'est là où la discrimination, l'abus s'installe de la part des professionnels de santé. Et bien entendu, ils souhaitent nous traiter tant que des sommes, en nous violentant, et lorsque on est dans son hôpital, notamment avec les personnels de garde, on ne veut pas nous interner, on ne peut pas se récupérer. Donc c'est une violence institutionnelle de la part du service de santé, car nous sommes toujours en cause de moqueries, et tout l'hôpital vient nous voir pour voir comment est-ce qu'on a été interné et à se moquer de nous. On est comme si étaient des objets, que tout le monde vient voir la rareté que nous sommes. Et donc il est nécessaire que les professionnels de la santé soient formés vis-à-vis des droits humains, parce que la formation, ça fait partie de leur étude, de cette ressource académique qu'ils possèdent, mais la formation politique vis-à-vis des droits humains est de respecter un citoyen, femme ou homme, qui va dans un service de santé. Mais semble-t-il qu'il faut respecter d'abord l'identité sexuelle de cet individu, et après qu'il reçoive une assistante de santé mentale, qu'on puisse parler de la consommation des drogues, d'alcool, la mauvaise alimentation, l'absence de l'État, et que aussi au sein des hôpitaux, on puisse y avoir des assistants, des travailleurs sociaux qui puissent peut-être, on va être interné dans un hôpital à cause de la tuberculose. En quittant cet hôpital, elle n'a pas où y habiter, donc il faut qu'elle revienne dans le coin de rue où elle travaille. Et donc, c'est là où il faut travailler. C'est là où il faut avoir de l'assistance sociale. Il faut travailler sur le thème de santé mentale de ces femmes. Les cas de l'Argentine, beaucoup de mes collègues qui ont quitté l'hôpital, ce jour même, elles reviennent dans leur lieu de travail, dans un coin de rue, pour pouvoir endurer, résister, survivre, parce qu'il faut qu'elle travaille, qu'ils aient de l'argent pour louer la chambre d'hôtel, parce que le propriétaire de l'hôtel la dirait de l'hôtel, l'a mis dans la rue avec tous ces articles personnels. Et non seulement il faut que l'on nous procure les rétroviraux et tant que traitement pour résoudre les problèmes de VIH, non, il faut aller au-delà de cette problématique. Il faut parler des ressources humaines, il faut parler de l'adhérence au traitement, le contrôle des dommages, non seulement cet regard sur la violence causée par la drogue, il faut parler aussi sur l'alimentation, l'alcool, les drogues, la santé. Il y a tellement de choses à aborder. Autrement, on est stigmatisé à nouveau, femme trans avec vivante avec VIH, consommatrice de drogue. Donc il faut travailler beaucoup plus, il faut ouvrir cet éventail d'exclusion dans laquelle nous nous trouvons. Ben, car, comme je dis toujours, les femmes trans, dans le seul moment de notre vie que nous sommes assistées par l'État, parce que souvent, c'est lorsque on est répressé par la police, c'est lorsque on va dans les prisons ou on va mourir dans les hôpitaux. La communauté trans, jusqu'à présent, n'a pas pu avoir accès à cet agenda politique d'État où la population trans devrait être comprise dans le développement de leur lieu de travail, de leur habitat. Nous, en Amérique latine, on parle toujours en ce qui concerne la santé, mais oui, pour nous, c'est essentiel, la santé, pour pouvoir survivre. Mais, une fois qu'on a eu accès à cette santé, entre guillemets,
intégrale. Nous nous trouvons avec la répression de la part de l'État. L'État qui nous assiste en santé prend en charge, c'est le même État qui va nous repousser, qui va nous violenter dans les rues. Donc l'État devrait se mettre d'accord sur comment nous inclure dans leur agenda social aussi, de travail conjoint avec cette population trans, car souvent dans les pays, si vous avez des préservatifs, c'est encourager la prostitution. Donc le même préservatif qui nous est procuré par l'État. Donc l'État nous accorde des préservatifs et puis il nous arrête parce qu'on est en possession de ces préservatifs et on encourage la prostitution. Donc il nous donne d'une part la prévention et il y a un autre critère du même État qui va trouver les préservatifs et c'est l'article qu'il va imposer ou l'argument qu'il va utiliser pour qu'on encourage la prostitution et ça c'est fait par la police. Donc, unir la problématique, nous savons bien, c'est transversal. On ne peut pas travailler avec un seul ministère. C'est pour ça que nous avons créé ce guide de santé, guide avec un regard trans, pour nos collègues trans, côté humanitaire, côté communautaire, comment une femme trans arrive dans un hôpital et quels sont les empêchements, les contraintes pour accéder à une meilleure qualité de vie, meilleure santé, meilleure prise en charge, comment devons-nous travailler ensemble en tant que coordinatrice, des promoteurs, des militants des droits humains à l'intérieur des hôpitaux pour les informer, voir quel est le taux de mortalité de nos collègues dans des services de santé, parce qu'il y a des rapports dans les hôpitaux qui infèrent que les morts de VIH, mais on n'est pas sûr parce que c'est pas exactement la cause de la mort, elle peut être autre. C'est pour ça que les promoteurs de santé, des droits humains doivent être dans les hôpitaux à faire un suivi pour pouvoir veiller et conseiller les infirmières et les médecins pour établir un dialogue avec les patients et qu'on puisse éduquer entre nous, les services de santé, la société civile et pouvoir provoquer les changements car ce manque d'informations, le manque d'être en contact avec la population affectée, le seul contact qu'ils ont avec nous, c'est lorsqu'on arrive à l'hôpital ou on va visiter une collègue qui est hospitalisée, mais la femme trans automatiquement, ils n'ont pas de contact avec nous, avec les femmes trans. Donc, il faut briser les structures des codes que les services de santé ont en place vis-à-vis le regard de la femme trans. Une femme trans bien formée qui arrive dans un hôpital, qui réclame des bons soins et qui demande d'être respectée dans son identité sexuelle. C'est pour ça que nous avons créé ce guide qui n'est pas bureaucratique, c'est pas un guide créé par les professionnels de la santé, c'est un guide qui a été créé par nous, selon nos expériences, nos vécus. Et lorsque je parle des expériences et de vécus, c'est des fois d'avoir été dans des hôpitaux ou avoir accompagné une de nos collègues, voire témoigner de cette violence qu'il faut subir dans les services des hôpitaux. Donc, il faut réfléchir. Nous sommes des citoyens par entière et nous devons avoir des droits et on a les droits à voir notre identité sexuelle respectée. Parce que quand on arrive, on est humilié. Et il me semble que ça, c'est terrible pour n'importe qui.
Et ça arrive dans tous les pays de l'Amérique latine et du Caraïbe. Merci beaucoup, Marcela. Moi, je voudrais donner la parole à Alejandra Soto qui va nous parler sur ce manque d'outils et ces problématiques. Et je profite pour poser une question de la part des participants. Vous considérez que les services de santé sont conscients des besoins que les femmes trans peuvent y avoir. Bonjour, bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Comme nous parlons de thèmes de santé, pour nous ici au Chili, à vrai dire, nous avons une table VIH et droits humains. Marcel a eu l'occasion de participer dans les rencontres que nous avons faites avec toutes les organisations du pays au niveau national, une vingtaine. Le nouveau ministre qui a fait une tentative de passer une loi, mais la pandémie est arrivée. Donc, pour la population trans, ce guide, comme l'a dit Marcel, et les programmes national de VIH et SIDA et de droits humains. Ici, les politiques, à l'heure actuelle, ils sont en train d'être abordés avec les mêmes dirigeants de l'organisation pour pouvoir débattre de comment relier une personne qui sort, car nous sommes dans la pandémie et vivons VIH-SIDA, pour nous a été très inquiétant, car les taux des collègues qui ont été positives qu'auparavant. Quel thème? Le thème, c'est qu'ils n'ont pas mangé, donc ils sont affaiblis et elles sont des dépressions parce qu'elles ne peuvent pas payer leur loyer, parce qu'elles n'ont pas accès à leur travail, elles se voient forcées à être virées de leurs appartements. Donc la prévalence des femmes trans au Chili a augmenté. Et nous avons toujours eu la maison trans ouverte pour les personnes qui souhaitent venir et qu'on puisse la relier dans les centres du ministère. C'est pas le même ministre, mais maintenant il faut demander, s'il vous plaît, on veut faire des liens avec les services de santé. Mais oui, on s'est vu avec beaucoup de problématiques vis-à-vis de nos collègues, parce que à la maison trans que nous avons, on peut les amener dans des services où on va aller faire examen de sang, et puis on a des accords avec l'hôpital, et puis c'est là où les collègues vont être traités. Mais ça, ce sont des actions faites par notre organisation en établissant tous les contacts nécessaires. Nous avons rencontré des petits problèmes techniques d'Internet. Entre-temps, nous allons donner la parole à Raisa Cordiani. Torriani. Bonjour. À tous, toutes et tous. Et merci de cette invitation. Je vous salue cordialement.
Nous avons pu constater que beaucoup, nous avons confronté des grands défis, mais nous avons aussi des grandes réussites. Et une des grandes réussites obtenues dans les dernières années a été ce retour d'information, ce feedback et ce travail conjoint que nous avons fait pour satisfaire des demandes que tous les pays avaient réclamées. Et c'était le service de santé. Et comme Milouska, Marcela et tous ceux qui font partie du réseau l'ont déjà évoqué, car il n'y avait pas de soins de santé prévus pour la population trans. C'est pour ça que nous devons chercher à activer et à plaidoyer pour obtenir ce service intégral de santé. C'est quelque chose qui a vraiment lever les drapeaux trans. Il ne s'agit pas de la construction faite par une personne, une femme ou un médecin. Non, c'est tout un processus qui a tenu en compte toutes les voix qui réclamaient. Et dans chaque pays, ils ont fait un grand travail. En faisant des sondages, mettons des mécanismes en place afin de pouvoir satisfaire beaucoup de besoins au-delà de l'accès aux rétroviraux, les examens de sang, car nos besoins vont beaucoup plus au-delà de ça. C'est pourquoi ce guide a pu évoquer ou mettre l'accent sur ses besoins dans l'Amérique latine et aux Caraïbes, avec les différentes interventions que nous avons faites en tant que promoteurs, car non seulement on a promu le guide, mais nous avons formé et renforcé beaucoup de collègues afin qu'ils puissent avoir des accès dans les ministères de la santé et mettre en pratique et ne le gardent pas comme un guide qu'ils vont garder et point. Non, il faut mettre en pratique tout le travail que nos collègues France Trans ont fait et que le service de santé soit actif dans leur fonctionnement et suit les protocoles de santé pour les personnes trans. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup de ta contribution, Raissa. Peut-être Milouska pourrait répondre à une question. Qu'est-ce qu'il faut approuver comme loi pour que les droits des personnes trans soient respectés? Ah, je vais parler du Pérou. Ici, nous avons des normes techniques trans qui indiquent lié au VIH. Voilà la norme technique, c'est le nom complet est norme technique a le propos de réduire la transmission des maladies sexuelles, y compris le VIH. D'après cette norme approuvée par le ministère de la Santé, sans avoir une loi d'identité 4 qui reconnaisse l'identité sexuelle des individus au Pérou, a montré beaucoup de problèmes pour sa mise en place. Nous demandons l'extension de la norme dans sa totalité en parlant de santé intégrale, gratuite, publique et sûre. D'après nos expériences et leurs information obtenue, nous savons que les pays de l'Amérique latine où l'identité sexuelle a été approuvée, l'Argentine, le Chili, l'Argentine, la violence envers les personnes trans a vu réduite. La loi a
est devenu une base importante et quelques politiques publiques cadres afin de reconnaître les droits fondamentaux, y compris celui de la santé. Donc, il est nécessaire de continuer à plaidoyer auprès de la société civile, créer des alliances et partenariats avec les collectifs, dans la mesure des possibles, avoir des lois d'identité sexuelle au Pérou. Récemment, ici au Pérou, nous avons eu une résolution en première instance pour mettre en œuvre le processus pour changement de nom des personnes qui étaient mises dans une procédure judiciaire. La 24-17 pour la connaissance d'identité des personnes trans et mariage entre les personnes du même sexe. Le nom Reniette, à qui dans la première instance a été demandé, a fait appel de cette sentence en disant de l'autonomie qu'il allait juste répondre en cadre, loi cadre d'identité sexuelle. C'est-à-dire, il était nécessaire que l'État approuve la loi d'identité sexuelle afin que rien puisse reconnaître l'identité de genre de personnes trans de façon administrative ou par procédure judiciaire. La même chose s'applique en la santé. Nous avons la norme technique trans, mais si nous n'avons pas la loi cadre, la norme ne peut pas être mise en place et puis elle peut être reliée au VIH. Voilà. Bonjour. Alexandra, mon internet a fait défaut. Voilà, toute une problématique. Il a fallu que je demande à quelqu'un de me prêter son internet. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, oui, nous avons pu lier les personnes vivant avec VIH et aussi demander d'autres choix pour elles, des services de santé générale, car nous avons certains contacts avec certaines personnes, mais à partir de l'État, il n'y a pas quelque chose de politique. Et avec eux, que nous avons signé comme accord, rien n'est obtenu. Donc, il y a des personnes qui sont responsables, des personnes nord, sud, centre, pour avoir une réunion virtuelle que nous savons, parce qu'il y a eu beaucoup de politiques, il est gay, et puis il a eu des rapports sexuels avec des mineurs. Donc, s'il est gay, donc on ne va pas rentrer dans des problématiques, mais bon, on souhaiterait voir quand même un développement de travail des tables, par tout a été arrêté, et on n'accorde pas de l'importance au VIH, l'importance est et se concentre seulement sur la COVID-19. Et puis, comme nous nous sommes aperçus et comme nous travaillons dans les prisons au niveau national et puis avec les ateliers que nous avons faits pour les gendarmes, car c'est eux qui sont responsables des droits humains dans les prisons. Donc, on n'accorde pas un traitement correct, on n'a fait pas appel à un médecin, on les sort deux fois par an à un hôpital pour faire une révision de santé, et ils vivent avec de la tuberculose, et puis c'est inséré avec ses partenaires. Nous avons beaucoup, beaucoup de difficultés dans les prisons, et maintenant nous sommes en train de parler avec des personnes de Conacida. Il y a beaucoup de différences au niveau des santé mentale. Ici, nous avons des psychologues pour soulager ces santé mentale des collègues qui ont vraiment besoin de soutien, de dire oui, ça va arriver, notamment aussi pour les migrants qui sont dans nos pays. Et ils sont en train de grouper une vingtaine de personnes pour habiter dans un tout petit appartement. Donc, il y a des problèmes parce que tu craignes les contagions de la COVID-19. Nous avons beaucoup de collègues qui sont décédés de COVID-19. Des fois, on dit qu'elles sont mortes du VIH et ce n'est pas vrai. Elles sont mortes de la COVID-19. Donc, nous pensons qu'ici, le mort des collègues trans nous a beaucoup affectés. Nous avons déjà à peu près le nombre de personnes
qui sont atteintes de la COVID-19, celles qui ont décédé de la COVID. Mais de la part Delta, il n'y a pas un contrôle envers cette population trans parce qu'ils ne se sont jamais fait responsables malgré toutes les démarches qu'on a faites pour être tenus en compte. Nous avons beaucoup de problèmes pour avoir des bénéfices que le président Pineda allait accorder. Nous ne sommes pas ayant droit de ces bénéfices. Nous sommes 400-600 trans travailleurs sexuels. S'il allait dire qu'ils allaient donner une maison, une assistance parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas travailler. À la fin, il a livré 20 maisons, déjà octroyées à un nom précis. Et puis, il demandait des PV de 2 millions de pesos. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à militer avec les services humains, la fiche protection sociale, pour beaucoup de nos collègues, que ce soit du Chili ou des étrangères, parce qu'on n'avait pas un registre social de foyer, parce qu'ils sont déménagés. Donc, il a fallu appeler des assistantes sociales pour qu'ils fassent les démarches pour pouvoir obtenir des bénéfices. Beaucoup de collègues sont sans bénéfices. Ça fait 4 mois, on attend. Le gouvernement n'est pas présent. Il n'a pas répondu à nos courriels. Ils n'ont fait rien du tout pour la population trans. Mais non plus de côté clinique. Il y a un guide clinique, ils ne l'ont pas mis en œuvre, ils ne l'ont pas mis en place. Et nos collègues qui arrivent, nous avons avec des collègues avec des silicones, avec des ulcères dans les hanches, dans les jambes, beaucoup meurent à cause de cela parce qu'ils ne sont pas pris en charge et ils ne font rien. Oui, quand on les voit, oh, comment tu peux vivre comme ça, quelle horreur, mais ils ne font pas une politique publique. Donc, à la fin août, nous avons déjà une réunion avec le nouveau ministre du Développement social pour évoquer nos thèmes qui sont stagnés pour l'instant et avec la ministre des Femmes, car elle nous avait promis de avancer. Mais bon, bien sûr, il a eu la COVID-19 et tout s'est arrêté. Donc maintenant, avec le ministre des Santé notamment, parce qu'il n'applique pas aux soins, il n'a pas d'hormones et les hormones qu'il donne, ils ne sont pas pour nos traitements. Ça crée des problèmes secondaires terribles pour nous. Et donc, les changements de nom, il y a une loi, mais on ne peut pas changer nos noms. Alors, à quoi bon la loi? Et la loi de discrimination, parce qu'elle est mal faite, et on peut réclamer par cette violence que nous vivons. C'est ce que je pourrais vous dire. Si ce n'était pas l'organisation, nos collègues n'auraient pas pour manger, pour faire les tests, ni un soutien psychologique. Mais oui, nous avons accordé de l'assistance. Les filles sont bien conscientes du travail. Les autres organisations que LGBTQ+, qui gagnent autant d'argent, des organisations qui remplissent les poches, s'oublient. Lorsque la COVID a commencé, ils ont fermé leurs portes. Ils font fermer tous leurs bureaux. Ils font fermer les grands empires. Et la seule organisation qui a continué à travailler était la nôtre. Même si nous avons le risque de se contagier de la COVID-19. Heureusement, aucune d'entre nous a été atteinte de la COVID. Et nous continuons à travailler. Et voilà ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Ici au Chili. Merci Alejandra de ta contribution. Quelle est la question que tu avais posée auparavant? Si on considère que les services médicaux sont conscients des besoins des femmes trans.
Ah oui, il y a quelques-uns, quelques hôpitaux Barolucco. Et oui, ils sont conscients, mais avec tous les ateliers que nous avons faits à partir du réseau hein, pour renforcer et pour la non-discrimination de notre population, qu'ils puissent parler avec nous dans ces espaces, nous nous avons beaucoup perdu parce que beaucoup de médecins étrangers sont venus après que nous avons fait les ateliers. Plus de 2 000 médecins étrangers sont venus pour le service de santé au niveau national. Alors, tous ces médecins qui viennent d'autres pays viennent avec un machisme qui ne respecte pas la population trans. Donc, tout le travail que nous avons fait auparavant au niveau national était perdu. On nous traite comme des sommes, il n'y a pas de respect pour nous. Donc, il faut aussi changer toute cette mentalité. Quels sont il faut refaire les ateliers pour tous ces pays parce que dans leur pays d'origine, ils sont très machistes. Et puis, nous avons demandé à plusieurs. Nous avons porté plainte judiciaire parce que ici, nous avons quand même des droits. Et puis, on se base sur nos politiques publiques et c'est là où nous nous trouvons actuellement. Je voudrais donner la parole à Vénus maintenant. Benoît, tu n'es pas là, donc je vais poser une question à Vicky. Bonjour Vicky. Le rôle essentiel de ce guide, le rôle essentiel de ce guide ici au Paraguay, un pays très conservateur, très fermé en tout ce qui est sexuel et genre, tout est immédiatement rejeté. Bonjour, vous m'entendez? Le thème, ces guides et recommandations sur l'attention intégrale étaient essentiels pour obtenir une résolution pour l'identité sexuelle et la construction de l'identité des personnes trans. Donc, nous avons eu donc la résolution de la part du ministère qui force, qui oblige les personnels professionnels de la santé de nous respecter. Il reste beaucoup de travail à faire parce que, comme vous le savez, quand on dit des identités sexuelles, mentionnées sexuelles, vous êtes déjà condamné avec ce gouvernement. Lors du gouvernement précédent, nous avons pu obtenir notre résolution dans laquelle, conjointement avec ce guide, nous avons pu les livrer, faire des recommandations à des différents centres de santé et hôpitaux. Notamment les plus grandes dans les différents départements. Donc, ce guide est précieux ici au Paraguay parce que grâce à cette résolution, et je me joins aux commentaires faits par notre collègue de Pérou parce que nos cas sont similaires. Merci beaucoup. Merci. Vicky, Raisa, est-ce que tu es là? Ah, j'ai une question pour toi. Oui. Raisa, Ronald Rosas demande, étant que femme trans, est-ce que vous pouvez rentrer dans l'appareil bureaucratique comme une femme cis, le fait comme infirmière et puis remplacer la substitution comme la seule façon d'avoir des revenus? Moi, je vais vous parler de la Bolivie. Ici, en Bolivie, c'est regrettable. On n'a pas encore une collègue. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'avais 2 collègues trans. Elles sont médecins. Elles ont déjà leur diplôme.
et grâce à un gouvernement du passé, ils ont pu accéder aux hôpitaux où ils travaillaient tant que médecins. Et ils développaient leur profession qu'ils ont obtenue. Mais elles étaient loin des villes, mais bon, c'était le début de pouvoir les inclure dans leur métier, leur profession. Malheureusement, il y a eu des changements dans les gouvernements. La première qu'il y a eu, elles ont été virées. Et une qui travaillait à Vinto, l'autre en Kirkoy, elles ont été remplacées tout de suite en déqualifiant leur travail et leur trajectoire professionnelle. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de collègues qui puissent être à l'intérieur des professions comme toute autre personne. Non, qu'on vit cette stigme et discrimination qui ne vous permet pas d'avoir accès à cette bureaucratie. Et nous savons qu'il y a plusieurs qui finissent leur études professionnelles et nous sommes en train de renforcer et rendre conscients les sociétés, les gouvernements au niveau régional afin de les inclure dans les domaines de travail en dépendant de leur métier et qu'elles puissent se développer dans ces espaces. La Bolivie n'a pas encore une collègue au sein de n'importe quelle institution publique ou privée qui travaille ou qui dépend du gouvernement ou des sociétés dans les milieux médicaux ou de la santé. Les seuls qu'il y avait, ils ont dû se retirer, aller ailleurs. Et savoir avec la création de ces guides qui a renforcé beaucoup de nos demandes, nous avons pu constater que les gouvernements nationaux, régionaux, dans tout ce qui est l'essai de ces programmes nationaux et des départements, jusqu'à présent, n'ont pas été proactifs pour développer et mettre en place ces guides. Mais, bon, nous avons fait beaucoup de plaidoyers, mais il nous manque encore l'engagement politique, l'engagement des personnes qui sont dans ce service afin de mettre en place toutes ces questions au niveau professionnel pour être prises et en compte et que la personne puisse mettre ses compétences professionnelles à notre service. Donc, ce sont des choses qui sont difficiles. On a des difficultés pour faire rentrer. À l'heure actuelle, notre gouvernement est très dur. Et la lutte, cette fois-ci, ça va être quelque chose. Nous vivons avec un gouvernement conservateur à 100%. Et puis, malheureusement, le progrès des droits humains que nous avons obtenu, même s'il n'aura pas un recul, ça va quand même freiner nos luttes vis-à-vis de ce gouvernement qui nous dirige à l'heure actuelle. Qui nous gouverne. Merci, Risa, de ta réponse. Maintenant, je donne la parole à Marcela Romero. Nous avons une autre question. En Argentine, où il y a déjà la loi d'identité sexuelle, comment pouvez-vous avancer dans la santé trans? Ah, je n'ai pas entendu la dernière partie de la question. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avancer dans ce qui concerne la santé trans? Mais semble-t-il que le thème que la communauté trans, d'abord la communauté trans doit être dans l'agenda de l'État, dans le ministère de la Santé. Mais semble-t-il qu'il faut considérer la mortalité des femmes trans, la tentative de vie d'une femme trans en Argentine, c'est 20-25 ans.
C'est pas 30-35 ans, comme on a voulu dire. C'est une étude qu'on a faite à l'année 2007. C'était la première surveillance épidémiologique en Argentine au monde qui pouvait répartir entre les hommes trans et les femmes trans. Donc, et dès là, on a eu l'expectative et la prévalence au VIH-Sida, qui est de 30% dans les femmes trans. Et dès là, on utilise ces chiffres. Mais lorsqu'on voit les statistiques, comme par exemple, en Argentine, il y avait 60 de nos collègues qui ont été assassinés. Et sur ces femmes, il y a les femmes qui meurent à cause de l'absence de l'État. Mais semble-t-il nécessaire de travailler avec un agenda politique en ce qui concerne la santé, santé intégrale. Parler aussi en Argentine, on a mis à débat la loi de la santé intégrale trans. Il est nécessaire d'inclure tous les besoins. Il est nécessaire de briser ce stigma de discrimination. Cette discrimination est terrible au sein de nos communautés. Ne pas avoir accès aux bénéfices que toute autre personne peut y avoir. Et lorsqu'on a accès, il y a de la violence, il y a l'estimation, on n'est pas compris dans les ministères comme le ministère de la femme, parler de la violence de genre, c'est parler de féminicide, transféminicide, et tout ça n'est pas compris dans certains critères. À mon avis, il est essentiel d'inclure tous ces thèmes dans les agendas de débat. Toutes ces choses que nous vivons et nous souffrons. Merci beaucoup, Marcella, de ta réponse. Toute petite chose. Avant de continuer, notre session, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points les plus importants que nous avons considérés de cette guide de recommandations de santé intégrale pour l'Amérique latine et le Caraïbe? Quels sont les points à souligner? Dans le thème du guide, il faut parler d'une santé depuis l'enfance et l'adolescence, parce que notre construction en tant que femme trans commence par des traitements illégaux. Nous commençons à faire de l'automédication et tout ça, ça arrive car il n'y a pas de services de santé, il n'y a pas d'endocrinologue. Il n'y a pas la construction pour les personnes trans dans l'enfance et l'adolescence. Donc, on commence à s'injecter des hormones qui ne correspondent pas pour nos corps. Et nous-mêmes, on crée des maladies comme l'hépatite, qui est une des maladies essentielles de lors de traitements hormonaux. Non, il y a un pourcentage élevé de l'hépatite dans la population trans, car nous prenons nos soins nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de former les médecins et lui parler de comment se passe la construction d'une femme trans pour qu'il puisse faire de la prévention. Établir un dialogue avec son patient, comprendre que la construction par laquelle on traverse
va dans l'illégalité parce que nous avons le machisme installé dans nos pays. Donc, si les services de santé pour les femmes et hommes trans qui veulent commencer un traitement avec les hormones, il devrait y avoir accès pour faire une féminisation, avoir accès à un contrôle d'hormones et ainsi prévenir beaucoup des maladies de l'utérus, par exemple. Pour les hommes trans, il y a du cancer des seins. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être prévenues si on était pris en charge et avoir accès à des services de santé adéquats. Par exemple, si on a consommé, on a fait la médication par ses propres moyens depuis très jeune âge, non seulement elle est vivante avec le VIH, mais elle a aussi des problèmes de foie et de tant d'autres choses. Donc, les médecins pourraient avoir toutes ces informations et puis s'occuper de cette femme trans avec une optique, une perspective intégrale. Les femmes trans, nous n'allons pas chez le gynécologue, le proctologue, le médecin qui va s'occuper de toi, va pas t'envoyer dans un service de ce genre. Et on devrait y avoir accès. Ce que nous faisons dans plusieurs endroits, c'est de suggérer cette proctologue pour que les personnes trans puissent y avoir et qu'elles ne soient pas soumises à une discrimination. Donc, il faut appliquer le guide. Lorsqu'on va avec un proctologue, le thème de la pandémie, beaucoup de femmes hommes trans n'ont pas pu leur traitement hormonal dans ces mois. Donc, ils ont eu leur menstruation à nouveau. Et lorsqu'ils allaient dans les hôpitaux, ils ne voulaient pas s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont pas de l'information. Ils ne savaient pas comment s'occuper d'un homme trans qui était en train de saigner. Et venez un autre jour, on lui disait, parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Mais vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de nous dire, lui demandait-il. Et des cas de ce genre se sont apparus en Amérique latine parce qu'il n'y a pas de soins de santé formés pour ça. Alejandra l'évoquait tout à l'heure, lors de cette pandémie et les besoins par lesquels la population traverse a provoqué des infections et des réinfections parce qu'elles devaient aller chercher du travail pour se nourrir. Donc la pandémie de la COVID-19 va nous laisser une prévalence beaucoup plus élevée. Il y aura beaucoup de réinfections. Nous avons déjà un problème de syphilis dans la région. Donc maintenant, la syphilis va réapparaître dans un plus grand nombre de collègues atteints et des collègues positifs parce qu'ils n'ont pas pu négocier ou obtenir les préservatifs. Donc, tout le travail qu'on a fait auparavant, on a fait un travail extraordinaire auprès des hôpitaux afin de pouvoir avoir des meilleurs soins. Et je pense que la COVID va nous faire reculer le fait de système de santé, j'avais noté ici la culture machiste des hôpitaux et que le médecin sont les médecins abolitionnistes. Le thème de l'Église catholique, le regard des médecins, nous voyons, nous constatons que lorsque les collègues sont positives. Les collègues se sont vraiment coupables de cette positive vis-à-vis du VIH-Sida.
Et si on ajoute que ce médecin, notre collègue, doit mentir, elle doit dire que non, qu'elle ne travaille pas, elle n'est pas une professionnelle du sexe, qu'elle a un partenaire, et elle se sent trois fois plus coupable que le reste. Donc, tout ça, ça nous fait souffrir. Et ce que ce guide de santé fait, c'est de pouvoir créer conscience pour réduire toutes ces mépris et toutes ces mauvais traitements qu'on reçoit dans les hôpitaux. Merci Marcella de tes réponses. Je voudrais remercier également à toutes les personnes qui participent avec nous par Zoom et tous ceux qui nous suivent par Facebook, car gentiment, il nous fait parvenir leurs commentaires et questions, ainsi que toutes les commentaires en faveur de l'association qui est représentée dans 24 pays. Oui, nous avons entendu de travail encouragé par le réseau Langue Trans. Quels sont les pas à suivre en tenant compte de la pandémie qui a provoqué une crise si profonde? Depuis le réseau Langue Trans, nous nous sommes en train de planifier nos nouvelles activités. Cette année, bon, les réunions et toutes nos plaidoyers politiques sont restés sur l'agenda, nous n'avons pas pu les réaliser. Mais nous voulons profondiser sur l'agenda, parler de la pauvreté, l'inclusion sociale. Me semble-t-il que notre agenda politique dans la région doit être modifié. Nous allons modifier beaucoup de choses car après la pandémie, on aura un regard complètement différent. Comment les femmes trans, nous travaillons les questions économiques, nos économies personnelles. Dans une quinzaine de jours, une personne trans n'avait pas de ressources financières sans argent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir payer son loyer. Donc, le problème de les revenus constants de la population trans, il faut l'évoquer, parler des finances, parler de l'économie, car la COVID-19 rendre visible tellement de choses vis-à-vis le VIH et d'autres maladies également. Les questions économiques en étaient un. À mon avis, c'était le principal, le côté financier. Une femme trans, travailleuse sexuelle, en moins d'une quinzaine de jours, n'avait pas de revenus, sans aucun moyen de se nourrir ou payer son loyer. Et donc, ça, il faut travailler là-dedans. Il faut autonomiser nos collègues pour qu'une autre pandémie peut arriver, une autre chose peut arriver. C'est une expérience qui nous a montré qu'on ne peut, on doit être renforcé, faire face à nos gouvernements, que nos gouvernements nous donnent des réponses, car nous avons créé tellement de plans de travail pendant toutes ces années au réseau Langue Trans. On avait eu tellement de réunions avec des organisations internationales, les Nations Unies. Nous avons participé à toutes les différentes campagnes, 90, beaucoup de campagnes, et nous faisons partie de toutes ces campagnes. Mais là, quand on avait besoin de soutien, quand on avait besoin d'exécuter tous ces plans dont on nous avait parlé, dans notre région, l'aide humanitaire des Nations Unies n'était pas présente. La coopération des États n'était pas présente. Les États ne sont pas invités à faire
à participer dans les comités d'urgence pour répondre à toute la population qui est dans les besoins, pour identifier les besoins des populations. Les seules choses que nous avons pu constater dans notre région, c'est que il y avait une répression policière, comme on l'a vu au Pérou, en Argentine, où la police est allée à chasser des personnes trans, à nous persécuter, à ne pas nous permettre l'accès au supermarché pour acheter de la nourriture, pour nous empêcher de faire des formalités. Le pic de genre était terrible. Mercredi et jeudi, sont les hommes qui sortent, et puis les autres jours, c'est les femmes. Et nous avons notre identité construite. Nous sommes des femmes trans. Nous savons bien quelle est notre identité sexuelle. L'État nous a persécutés, nous a réprimés et n'a pas permis d'exécuter notre liberté et tant que citoyennes de nos pays. Et me semble-t-il que la COVID-19 va nous laisser des expériences terribles dans notre communauté trans. Tout le travail qui avait été effectué dans notre région, les gouvernements les ont vulnérés, l'ont massacré, ne l'ont pas respecté, le travail qui avait été effectué pour qu'on puisse avoir accès aux bénéfices qui sont octroyés à d'autres personnes. Nous nous sommes traités comme quelque chose, comme d'autres. Ils nous sont rendus complètement invisibles vis-à-vis de l'épidémie et me semble-t-il que c'est là où le réseau Langue Trans va pouvoir renforcer l'agenda que nous avons pour l'année 2021 et pouvoir démontrer aux États que dans un pays où il y a une loi d'identité sexuelle, les personnes trans nous auront pu circuler comme tout autre citoyen. On n'aurait été pas violenté. Et puis, si nous avons eu une loi d'identité sexuelle au Pérou, si nous avons eu une loi d'identité en Honduras, Guatemala, Salvador, Brésil, où nous aurons pu y avoir une loi d'identité sexuelle, on n'aurait été pas violenté comme on est violenté tous les jours dans nos pays respectifs. Ça, c'est l'argument qu'on doit montrer que sans des droits humains, on viole tous les autres droits. Et ça a été prouvé lors de la pandémie. Les personnes trans n'ont pas une loi d'identité sexuelle. La persécution est donc terrible envers nous. Si nous avons eu une loi d'identité sexuelle, on aurait pu sortir pour acheter notre nourriture, nous aurions pu avoir accès à des travaux réguliers. Que lorsque je parle de travail régulé, un travail qui est en forme, formel, où on puisse avoir des bénéfices. Nous n'avons pas une loi d'identité sexuelle, on n'a pas de sécurité sociale, où nous ne pouvons pas avoir des bénéfices pour s'entretenir comme tous les autres citoyens ont, qui puissent avoir accès à tous ces bénéfices. Nous, avec la COVID-19, nous avons eu accès à rien. Un panneau de nourriture n'est pas la solution. Les rétroviraux n'est pas une solution. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faut avoir parler de l'humanitaire, de ce que vraiment une personne a besoin pour subsister, pour vivre dans un pays égalitaire où on peut y avoir accès à tous ces bénéfices auxquels on n'a pas accès aujourd'hui. Je pense que la COVID-19 a dénoué, a mis en évidence la violence institutionnelle vécue dans certains pays, comme la Colombie, le Pérou, les pays où la violence est extrême, extrême seulement parce qu'on est trans, parce que nous sommes une personne trans. Il est clair et évident, la violence, la haine envers la communauté trans dans l'Amérique latine et le Caraïbe. Une seule chose que je voudrais évoquer, s'il vous plaît.
Également, comme Marcella vient d'évoquer, dans les pays qui n'ont pas eu loi d'identité sexuelle, qu'il y a eu tellement de difficultés et discrimination. Mais même dans les pays qui ont la loi d'identité sexuelle, on a été maltraité, il n'y a pas eu de respect malgré l'existence de la loi. Donc même en ayant la loi, on est l'objet de discrimination. Dans la maison trans, c'est le seul endroit où nous puissions demander la permission pour donner les paniers qui sont octroyés par l'État. Mais il n'y a pas de respect. Tout est allé à la merde. Il n'y a pas de respect aux personnes trans, et notamment transféminines. Si on t'arrête, puis la première fois, tu es arrêté, tu es amené au bureau de police, après tu vas dans le ministère public, après tu es jugé. Et donc, on est vraiment criminalisé malgré le fait qu'on a une loi d'identité sexuelle. Alejandra, je t'ai pris de muter ton téléphone et maintenant je vais demander à Miluka si elle souhaiterait contribuer davantage à la situation évoquée par Marcella. Bonjour, oui, justement, j'allais te demander la parole. À vrai dire, pour nous, le 4 avril, c'était un jour terrible. La COVID avait montré le pire et le meilleur des individus et des serviteurs publics. Une situation adverse que nous vivons toujours, qui nous a beaucoup frappés au niveau économique dans nos vies personnelles des personnes trans ainsi que des organisations trans ici au Pérou. Le 4 avril, avec le mandat sexuel tant que mesure restrictive pour contrôler l'épidémie au Pérou, il y a eu des jours assignés pour la sortie des hommes et des femmes. Nous avons enregistré 17 cas, des cas de violence contre les personnes trans qui avaient des arrêts, prohibition de transit, arrestation DNI, maltraitance, maltraitance psychologique, maltraitance verbale, atteinte contre la dignité de la personne. Tout ceci a été documenté avec hashtag Je enregistre tout. Nous l'avons viralisé. Yo registro todo. 17 cas de ceux qui ont des portables et qui ont pu avoir accès à la technologie. Nous pensons qu'à l'intérieur du pays, il y a eu des cas qui sont arrivés forts où les droits au transit ont été violés. Pour nous, c'est inquiétant encore, car l'État n'a pas donné réponse de sortie de genre, pas de politique. Au-delà d'une sanction administrative, nous souhaiterons avoir des politiques qui vont améliorer la qualité de l'attention aux personnes trans de la part de la police. Toutes les agressions sont venues de la police militaire, de la police nationale, de la part des Serenancos, des municipalités, des parts de la garde privée, et ça a attiré énormément notre attention, les pouvoirs qu'ils avaient, les facultés qu'ils avaient pour interdire l'accès dans les centres et les supermarchés et les pharmacies qu'ils souhaitaient aller et acheter de la nourriture et les médicaments le jour qui était accordé pour leur sortie. Donc, on envoyait des lettres dans les différents ministères afin d'établir, éclaircir, demander d'éclaircir ces cas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu de réponse de la part de l'État du Pérou, ni une explication précise de ce qui est arrivé. Les mouvements avec mes, con mis hijos no te metas, avec mes enfants ne te mêlent pas, en qui parle à l'urgence à dévoir le mandat du président qui garantit qu'il n'allait pas avoir des attentes le 4 d'avril dans le cadre de la sortie des genres, ils allaient être respectueux envers les orientations sexuelles des individus. Le président a été ambigu lors de son message car il n'a jamais dit ni
l'identité sexuelle, sachant que nous vivons dans un pays machiste, qu'au cours de l'année, 8 femmes trans ont été assassinées de façon violente et qu'ils attendent encore que la justice soit faite. Donc, un jour triste pour nous, qui attire énormément notre attention. La inopérabilité des systèmes de justice en réponse à la protection de la vie des personnes trans. Beaucoup de militants des droits humains, d'autres personnes qui ont été stigmatisées. Et nous avons pu obtenir des informations de première main partagées dans notre réseau. Nous avons eu un communiqué ambigu de la part de la police nationale en présentant ses excuses et en imposant des processus administratifs pour l'objectif qui avait agressé psychologiquement à la personne TBI pour quelques collègues au Callado. Nous attendons encore, nous allons l'inclure dans notre rapport annuel que nous présentons toujours dans les cadres de jours de droits humains. Tout ce qui est arrivé au niveau pays, nous préparons un rapport sur la COVID. Non seulement ça parle de comment la COVID s'est déroulée, mais comment la COVID nous laisse dans ce cadre de ne pas avoir des ressources ni d'accès à la justice ni à la sécurité et faire face à une crise sanitaire et de survivance des revenus. Donc, cette mesure restrictive de transit a été désestimée. Car ils se sont aperçus que ça ne marchait pas dans un pays machiste où les jours assignés par un homme, il y avait moins d'hommes qui étaient dans la rue et les jours pour les femmes sortaient parce que les responsabilités de travail, notamment, retombent sur les dos des femmes. Et donc, les contagions et les infections par la COVID se voyaient en danger car le nombre de femmes qui sortaient déborder les balances selon ce que l'État avait prévu. Merci, Milouska, pour cette contribution. Vénus, est-ce que tu es là? Je ne sais pas, Raïssa, est-ce que tu... voilà, Vénus. Je suis là, excuse-moi. Oui, effectivement. Ce qui est arrivé au Pérou, presque la même chose est arrivée au Panama. Il y a eu cette restriction de sortie par sexe. Donc au Panama, on peut sortir le lundi, mercredi, vendredi pour les femmes. Mardi, jeudi, les hommes. Et les samedis étaient fermés. Et à partir de ce samedi, elles vont pouvoir sortir, elles vont avoir une troisième journée. Nous, on ne voulait pas voir cette situation parce que le Panama n'a pas une loi d'identité sexuelle. Donc, nous sommes dans une situation invisibilisée, discriminatoire. Si nous parlons d'un gouvernement absent, on peut évoquer le Panama. Hein, parce que, tout simplement, du fait que dans les médias, on dit qu'afin de pouvoir aller chercher des médicaments, il faut juste montrer les protocoles d'attention, de soins. Tu peux sortir n'importe quel jour. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu violes le protocole si tu montres ce protocole aux polices parce qu'on commence à te questionner quelle est votre maladie. Et si tu es une femme trans, donc on te renvoie chez toi. Donc, tu ne peux pas faire confiance et tu ne peux pas arriver au système de santé. Donc, les cas de syphilis et VIH se sont vus à monter. Les collègues ont une consigne aujourd'hui. Ils préfèrent mourir de phobie que de mourir de faim. Ici, nous avons, on ne peut pas sortir après 9 heures de soir. L'État est absent. Nous avons déjà envoyé des lettres au ministère de la Santé, au bureau de la Première Dame, au bureau du Président, le ministère de la Sécurité. Et le ministère de la Sécurité a fait un communiqué bien ouvert en disant que de ne pas violenter la communauté clé. Mais, dit, d'accord, LGBT
n'est pas violentée, mais la communauté trans, qui en est beaucoup plus visible de par notre expression et notre identité sexuelle. Quoi donc? Donc l'État viole notre droit. Depuis la première journée de la pandémie, nos collègues sont sans leur travail et 15 jours après, ils ont commencé à les mettre à la porte parce qu'elles vivaient dans des foyers et ces endroits où elles travaillaient. Donc, elles ne pouvaient pas sortir et elles ne pouvaient pas marcher dans les rues ni les jours de femmes ni les jours d'hommes. Donc, c'était tel qu'aujourd'hui, on a entretenu tellement de conversations pour lever la voix. Pour lever la voix, car l'État est absent et suite à la discrimination qui est beaucoup plus notable. Les polices, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du gaz piment. Sans pourquoi. Donc, ils sont en train d'utiliser le pacer pour faire de l'électrochoc à nos collègues et se manquer d'elle. Lorsqu'ils arrivent au juge de paix, le juge de paix nous dit « Bon, on ne va pas faire de PV, donc on va leur demander de faire des aides communautaires. » Donc, on leur demande d'aller s'occuper de la propriété des endroits de bureau de police. Donc, on voit que le gouvernement est absent. On n'a pas encore levé les mesures de mobilisation. Merci, Véro, de ta contribution. Raissa, je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose et nous parler un peu sur les sédoctales parce que mes collègues en demandent. La Bolivie, ça fait 5 mois qu'on est dans cet confinement. Les gouvernements régionaux ou nationaux n'ont pas créé un agenda pour mettre des priorités sur la nourriture et l'habitat, le logement de notre communauté trans. C'est critique, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de souffrances de la part de nos collègues, car beaucoup sont jetés dans la rue. Et normalement, on ne pourrait pas payer les 100% ni les 50% de leur loyer. Donc, ils ont créé un drapeau de santé pour les trans au Bolivie, où beaucoup ont été mis dans la rue, on a fait des dénonciations, mais les dénonciations ne sont pas allées au-delà, parce que c'était qu'un papier, parce que la police n'allait pas défendre les droits au foyer. Un vivant VIH qui devait aller récupérer leurs médicaments, qui souffrait d'un symptôme d'une maladie, n'avait pas d'accès au CDVIRIS pour aller chercher les médicaments. Il y avait celles qui marchaient 10 blocs pour pouvoir y arriver à l'hôpital. Elles étaient complètement discriminées parce que c'était personnes vivant avec VIH, il n'y avait pas de médicaments parce que ils n'avaient pas de comorbidités, ils n'avaient pas de taxi, ils n'avaient pas de l'argent pour pouvoir s'approcher à notre centre de santé. Donc, la vulnération des droits humains dans le domaine de la santé, on était vulnéré jusqu'à présent. Ça fait déjà 5 mois. On arrive aux 5 mois de confinement. Et maintenant, on commence à avoir un peu de tolérance à Cochabamba à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Mais beaucoup de commerces n'ouvrent pas. Et beaucoup de travailleurs sexuels, aucun centre est ouvert. Il est interdit de pouvoir
faire de travail sexuel dans les rues parce qu'elles sont arrêtées, elles sont victimes de la police qui vient le violenter. Et donc, elles sont dans les besoins de se nourrir, elles sont faim. Nous avons essayé de mettre en place des mécanismes et de distribuer un peu de nourriture. On continue à donner, dans la mesure du possible, de nos moyens. Mais les gouvernements, ni régional ni national, sont présents. Et c'est terrible, comme les organisations nationales de chaque pays, on continue à faire nos plaidoyers. C'est nécessaire pour aider nos collègues qui sont vraiment dans les besoins. Mais malheureusement, nous devons nous serrer les mains et les coudes. Parce que ça fait 4 mois que je dois mon loyer et ils sont en train de me mettre à la rue. Mais moi, je n'ai pas où aller coucher. On ne voulait pas leur permettre. Il y a celles qui payent leur loyer tous les jours. Donc, si elles n'avaient pas l'argent, elles ne pouvaient pas rentrer dans les chambres. Donc, voilà. C'est d'hostal. C'est un outil très important qui nous a aidés pour documenter et rendre visibles les différents cas vécus par nos collègues dans la violation des droits, les arrestations illégales, les mauvaises attentions de soins médicaux, et que tous ces documents comportent les réalités vécues par chaque pays et par toute l'Amérique latine. Mais semble-t-il que nous sommes tous de la main dans cette réseau trans et nous pouvons rendre visible la même situation que toutes les collègues trans vivent. L'identité sexuelle, j'entendais notre collègue de Chili, il est vrai que ça nous garantit un droit à l'identité. Au moins, en Bolivie, elle te donne le droit de l'identité, mais dans la société, on ne te garantit pas le droit parce qu'on continue à te vulnérer ce droit, parce qu'on te dit, ah oui, elle s'est changé le nom, mais on te traite encore dans ces racines machistes, conservatrices, qui te montrent de doigts. Donc tout ça, il faut les documenter pour avoir l'évidence, pour pouvoir faire des plaidoyers politiques, non seulement dans nos pays, mais aussi dans des différents secteurs traditionnels, où on puisse rendre visible toute cette évidence des vécus de notre population trans. La jeunesse, on continue à travailler là-dedans pour qu'elle puisse avoir un meilleur chemin que nous n'avons pas eu pendant ces 10 à 15 années parce que nous avons vécu dans notre poche toutes et chacune. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire un nouveau avenir pour nos nouvelles collègues qui sont véritablement l'avenir de notre génération pour qu'elles puissent se développer dans des professions, former une famille, se marier si elles le souhaitent ou si elles ne souhaitent pas, que le travail sexuel soit le dernier choix et que ce soit un choix, mais que ce ne soit pas le seul choix de survie qu'elles ont à leur portée. Et je pense que l'outil qui va nous aider à faciliter tout ce thème, qu'il soit écrit noir sur blanc dans des documents juridiques, documents qui vont nous permettre de documenter toutes et chacun des cas, des vécus de tous nos collègues, que ce soit dans les domaines de la famille, de logement, de mariage, et toutes les dénonciations qu'on fait et qu'on va continuer à documenter. Car la violation des droits de nos collègues n'est pas de une jour et puis le lendemain ça ne passe pas. C'est dans tout le jour qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous pouvons voir comment récemment en Bolivie, on avait identifié qu'un collège d'évangélistes ont violé, abusé sexuellement des 4 enfants. Et moi je leur demandais, où
sont les organisations de Con mis hijos no te metas pour faire ce plaidoyer. Mais si ça avait été une personne trans, ils auraient fait toute une révolution, ils auraient fait des démonstrations dans la rue. Mais bien sûr, mais comme il s'agissait d'une personne hétérosexuelle, entre guillemets, et au sein d'une institution religieuse, évangéliste, les cas ne sont pas visibilisés. Et c'est pourquoi nous, étant que trans, on va être cible, on va continuer à être cible pour la violation des droits humains. Et nous avons tous le droit à avoir une vie incluante, inclusive, et non pas séparatiste. Merci beaucoup, Raissa, pour ta contribution. Maintenant, je voudrais demander à Lee s'il souhaite ajouter quelque chose par rapport à ce que Marcel a évoqué. Bon, moi, j'invite Marcela au chat. On a partagé deux liens pour télécharger la situation des personnes trans lors de la pandémie. Vicky, merci beaucoup. Comme nous le savons ici, bonjour. Bon, comme nous le savons ici au Paraguay, nous n'avons pas encore une loi d'identité sexuelle. C'est très fort parce que c'est à cause de cette pandémie, notamment la COVID, la vie de nos amis trans, 98%, ce sont des personnes professionnelles de sexe. Le Paraguay n'a pas de politique publique qui puisse garantir l'accès à une bonne citoyenneté des femmes trans. Travail sexuel, nous avons eu lors de COVID, par les réseaux trans d'Amérique latine et Caraïbes et d'autres organisations pour faire face à ces confinements que nous avons eu ici depuis le mois de mars jusqu'à la semaine dernière. Donc, nous abordons un autre confinement strict et c'est pour ça qu'on cherche de différentes modalités pour pouvoir apporter de l'assistance pour faire face à payer leur logement ou la nourriture. La situation des personnes trans ici au Paraguay est d'une grande vulnérabilité. On ne peut pas garantir les droits des populations trans ici au Paraguay. C'est la contribution que j'ai à vous faire. Merci, Vicky, et pour finir, le rapport qui a été publié par le réseau Trans s'appelle « La vie trans pendant la pandémie ». Rapport qui est la situation trans pour l'Amérique latine et les Caraïbes où on a publié le rapport régional en attendant la mort à 2016-2017. Et né trans pour le 2018. Marcel, je t'invite à nous dire quelque chose sur ces rapports et sa distribution. Et on va commencer à clôturer cette session. Merci à vous toutes et tous de votre disposition et participation. Tout d'abord, je vous souhaiterais remercier de le fait de pouvoir partager à mes collègues trans le thème de la documentation de ce rapport pendant la COVID. C'est un document qui a été distribué auprès des agences internationales. Nous avons déjà reçu des félicitations pour ce rapport. On a documenté la vie dans chaque pays et rendre visible cette situation trans en Amérique latine.
Il est nécessaire d'avoir des documents afin de pouvoir évaluer et augmenter les besoins de la population trans en Amérique latine et le Caraïbe. Ces documents vont nous permettre de faire de plaidoyer politique, de montrer toute la violation aux droits humains qui ont été faites lors de la pandémie de la COVID-19 et pouvoir réclamer au gouvernement, aux États, de nous inclure lors des urgences, des émergences, qu'on peut y avoir d'assistance alimentaire, qu'on puisse rendre visible toute la problématique trans au sein des agences internationales du gouvernement. Un document précieux traduit en version anglaise et espagnole, car c'est à la demande des agences qu'on devait le remettre en anglais pour pouvoir travailler pour l'Amérique latine. Mais il me semble que le réseau Langue Trans a pu montrer que dans la région, nous nous sommes intégrés par des femmes et des hommes trans et nous avons un regard communautaire. Toutes les réseaux Langue Trans fait du travail communautaire lors du confinement, lors de la pandémie. Ils sont en train de distribuer des aliments. Tout ce qu'une organisation doit faire pour assister, faciliter à nos collègues, hommes et femmes, des informations vis-à-vis la COVID-19. Et tous les États devraient en train de faire ces actions conjointement avec la société civile, le travail communautaire de distribution de nourriture. Nous n'attendons pas toute la population, nous ne pouvons pas attendre toute la population car nous n'avons pas toutes les ressources que l'État pourrait y avoir pour satisfaire les besoins de toute la communauté trans. Mais voilà une expérience pour les États, pour les gouvernements, qu'il faut inclure la communauté trans pour les attendre lors des pandémies, travailler conjointement. Il est nécessaire que les États, les gouvernements puissent nous inclure dans leur plan de travail et d'assistance, car beaucoup de nos collègues sont sans rien, sans assistance, aucune assistance. Il est nécessaire qu'on puisse rentrer dans cet agenda politique du gouvernement. Réseau continue à créer beaucoup plus de droits d'inclusion, de travail. Le réseau latino-américain continue à montrer qu'unis et bien organisés, nous pouvons travailler, nous pouvons provoquer les changements politiques nécessaires que nous menons à bien dans notre région, mais nous savons qu'un appareil politique avec une culture machiste, des religions qui nous excluent à partir de leur regard religieux, à ce machisme qui veut nous soumettre, qui viole tous nos droits. Les réseaux trans montrent qu'avec des leaders formés et leur vécu, leur expérience de tous nos leaders bien organisés, bien formés, on peut réduire cette violence institutionnelle. On va continuer à dénoncer tout gouvernement. On va continuer à rendre visible la pauvreté dans laquelle se trouve toute population trans à cause de l'absence de cette santé intégrale. L'axe qui protège la population trans, le rôle de la trans, fait de plaidoyer pour les droits humains dans l'Amérique latine et les Caraïbes, pour pouvoir créer des lois et que les personnes trans puissent vivre au sein d'un pays où il y a une véritable démocratie, où nos droits soient respectés et où on puisse avoir accès aux bénéfices culturels,
politique, de santé et de travail. Ça n'arrive pas encore dans notre pays, dans nos pays, mais nous, grâce à ces réseaux, nous rendons visibles tous ces besoins. Notre plan de travail, c'est qu'on est une Amérique latine et région de Caraïbes libre de stigmatisation et discrimination et un respect total pour l'identité sexuelle. Il faut continuer à travailler, on vous encourage à le faire pour plaidoyer auprès de nos gouvernements, car il ne nous permet pas jouir des droits dans une démocratie réelle. Il faut inclure donc au sein de cet agenda politique, au sein du Parlement national. Il n'y a pas une véritable démocratie lorsqu'il y a une équité de genre, qu'il y ait égalité au sein du Parlement où on fait le débat des lois. Ce jour-là, on va dire que l'Amérique latine est égalitaire. Mais nous n'allons pas à temps. Et pourquoi? Parce qu'on ne nous laisse pas avancer, parce qu'on viole notre droit, parce qu'il nous persécute, parce qu'il nous fait vivre dans une exclusion totale, car l'État nous ne procure pas l'accès. Il ne nous procure pas l'accès à ces droits qu'il octroie à tous ses autres citoyens. Et on eut l'accès, même lors de l'enfance et l'adolescence, jusqu'à une femme adulte. Merci beaucoup de toutes vos informations. Nous allons continuer à résilier parce que nous résistons. Nous résistons car nous existons et nous, nous sommes la force et nous sommes forts dans cette réseau, la trans.